À quelques jours de la CAN, les Ivoiriens ne manquent pas d'ingéniosité. Abou, cordonnier de métier, a décidé de fabriquer des chaussures aux couleurs du pays, orange, blanc et vert. La trentaine révolue, Abou confectionne 5 paires par jour. Le prix d'une paire de chaussures varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Au niveau de la CAN, c'est pas seulement football. Nous, les cordonniers aussi, on a essayé d'inventer pour créer au niveau de la CAN, que ceux qui n'ont pas de moyens pour acheter cette maillot-là. Donc, c'est pour cela qu'on a inventé un peu la chaussure. Là, pour que la fête soit belle et que tout le monde peut s'habiller aussi. De son côté, Gérard a décidé d'accompagner l'événement avec ce qu'il sait faire de mieux, imprimer des t-shirts, des écharpes et des polos pour un coût qui varie entre 3 000 et 6 000 francs CFA. J'essaie d'apporter mon soutien à la classe moyenne. À la classe, à ceux qui n'ont pas le moyen de s'acheter des maillots de 59 000. Voilà, c'est pour eux que je le fais. Tout le monde a envie d'accompagner, mais tout le monde n'a pas 59 000. Donc, je fais ce que je peux à mon niveau pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir au moins un équipement pour pouvoir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Après les chaussures et la tenue, selon le concepteur, il vous faut ce mini-bouquin pour toutes les informations relatives au calendrier et à l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations. D'autres ne connaissent pas quel jour la Côte d'Ivoire joue, quel jour, quel jour, à quelle heure. Donc, cela facilite tout ça. Et puis, avec les lieux des stades. Et puis, si vous aussi d'autres deux connaissent vous avez un historique de la CAN. Donc, à travers ce bouquin, nous avons des pages où vous pouvez noter les scores des matchs. Voilà. Après la compétition, vous pouvez déjà sérieusement noter ça sur à vous. Ça va faire bien à vos arrière-petits-enfants. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.